Popolibon, 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 Popolibon. Beaucoup de la palais, ma diaspora, beaucoup de la palais, ma combattant, beaucoup de la palais, ma congolais. Aux hommes mondes entiers, dans cinq continents, mon kiri, mon bimbabo, s'abonner dans Congo Dialogue. Info à sûr. Et vous pèsez à ma solo. Dialogue est sengi boyokani, dialogue est sengi bolingani. Dialogue est sengi tosangana. Nous sommes nés sur ma congolais, tous dans le monde entier. Tous abonnés dans Congo Dialogue Info. Et si vous avez un peu de monde, vous avez une idéologie. Puissance ya liloba eleki elisasi mbote na bino nyonso bozuli bakuma lamu ya kolanda biso na nzela ya archidique info pedi ke boza ebele partout dans le monde obolanda biso lelo tozane sengo et ya ko se présenter encore liboso na bino pour ce nouveau numéro de l'émission consacrée à la religion lelo tokolobela penza mingi masolo ya Yesu Christo masolo ya Nzambe Mbate, Boyebi, qui est dans le cahier des charges, c'est non seulement politique, mais aussi la religion, la culture, l'économie, et tant d'autres desks Oyo Bolandaka à travers notre émission. Lelo, tout ça, c'est un peu comme ça. Il y a un peu comme ça, c'est pour la première fois qu'il y a le cas dans le plateau de Biso, mais je sais que cette occasion est aussi à l'issue de Rosanaye. Lui, c'est le docteur Abraham Oyazali Bongo, docteur de l'Évangile de gloire, donc ministre dédié, Oyazali Kouévré, na communauté liégée à l'Assemblée des chrétiens. Et l'on a yé, Togosolo Lapenza, Marambo Oyo Etali, Liloba Yanzambe, Tomarambo Etali, ministère, Toye Bayango, Eza Nini. Donc, Tokéi directement, qu'on salue le docteur Abraham. Bonjour, docteur Abraham. Bonjour, bien ami. Bonne santé, docteur. Santé, Zaki, mais en Zambazo Batela. Bon, on a besoin de Matiamo Mungongo. Bon, en tout cas, l'engue au Tsotuna, santé, ça bien. Zambazo Batela, on est à bonne santé. Ok. Batébele, on a la confusion en tant que Balanda Rabiso. Si tu présentes mon docteur, on a un docteur, et ça pour Azamunganga. Ton docteur, on a un docteur, on a un docteur, on a un docteur, on a un docteur. Bon, effectivement, appellation wana et puis t'as la confusion, ebele, parce que ils a domaine moko, batoyer bien au mingi, na niveau de médecine, d'abord, et puis petit à petit les lots, les évoluer, bah je comprendre peut docteur, dans le sens scientifique, ils a moto à défendre la thèse naie, le domaine moko scientifique quelconque, mais aussi dans l'évangile. Ils ont dit l'un des cinq dons. Oyo, Nzambe, à Pessina Katina Divomba, la Katina Église. Là, nous sommes dans Éphésiens chapitre 4, verset 11. Il dit que, étant monté, il a pris des captifs et il a fait des dons aux hommes. Les uns comme. Donc, il y a cinq dons ministériels, le pasteur, l'évangéliste, l'apôtre, les prophètes. Et les docteurs. Okay. Donc, les docteurs. Alors il s'agit de ces docteurs. Voilà. Donc rien à voir avec porteur de thèse, tout médecin, kunate. Loin de tout ça. Okay. Merci. Voilà. Docteur Abraham, Tolinito, Toyeba. Et la première fois, le cas d'émission Nabiso. Na coutume, émission Nabiso, première fois, tous ont un mois si mon qui vous permettre Nabiso. Tué ban au parcours na yo au Comara Moussel Nzambe mende appel loané ya grande ni ezaki po mona ki kuna bat bazo se retrouver ezaki Nzambe benga ndenge nini o banda mwana eti yo koma ministre na retracer le biso mo parcours. Bon, effectivement Moussala na Nzambe, on ne devient pas serviteur de Dieu. Okay. On est serviteur de Dieu. Motazo botama Moussala na Nzambe. Là, nous sommes d'accord avec la parole de Dieu, les écritures bibliques, et là, pour témoigner au bon qu'un moto à Botamaka, au Saïdanzan. C'est-à-dire, appel, il y a qu'on s'est manifesté à un certain âge. Pour parler de moi, bien que la Ligara Pesa a commis le Bélaté, mais je suis obligé de répondre à la question. Il y a Botami, la famille, il y a ma croyante. Okay. Bah, je sens Bela. Papa nanga na mama nanga dali ko sambela na église catholique, okay. Marié et légalement et religieusement, donc na bokolani na religion catholique, et dès le bas âge
j'avais cette volonté-là de devenir serviteur de Dieu, donc prêtre. Ok. Je suis passé par l'appel au niveau de la congrégation, précisément des pères combonais. Mais quand on a décroché le diplôme d'État, c'est alors qu'il y a eu un déclic en moi. Nathalie, je suis fils unique. Na botani la fratrie, il y a 7 enfants. Okay. Papa n'a dit ça botani sur 7. Mais malheureusement ou heureusement, je suis le seul garçon et le dernier de la famille. C'est ainsi que révolte moi côté Katsanga dit non, je ne peux pas embrasser la prêtrise parce que kuna il faut qu'on ça la veille à célibat, chasteté, obéissance, tout ça. Donc je mettrai fin à la lignée de mon père. Mais je suis venu et je suis voyage pour que moi moyen pour continuer à l'université. Ça, c'est pas ça qui s'en gagne. Alors, pourquoi je suis venu? Je me suis retrouvé, je suis invité à l'église, je suis venu à l'enseignement et j'ai été frappé par la doctrine, par cet enseignement. Parce qu'en tant que grand lecteur, moi j'aimais beaucoup lire des romans. Et au moment où je suis en livre, tout roman à Kotanga, mon roman de prédilection était la Bible. Je lisais beaucoup la Bible. Et tant que je suis dit enseignement, et précisément c'était le docteur Dieudonné Mahindo, mon père. En tout cas, enseignement n'a été marqué Kinga. Okay. Je l'avais suivi juste pendant une semaine et le dimanche, je suis en baptême. Ok. Et le lundi, là, j'ai été baptisé. Là, c'était, je crois, ma mémoire est encore bonne, le 3 avril 2000. Ok. Na Bouta. Là, j'ai été baptisé, la rivière Ruby. Ok. Et c'est de là où tout est parti. Ok. La côte, la commis Moyembi, et Moyembi intercesseur. Un peu de temps après, na commis pour modérer. Et en 2001, j'ai eu à Kisangani, ma grande sœur à Beninga pour qu'elle reprenne l'étude universitaire. Et ça a coïncidé aussi avec l'extension de notre communauté à Kisangani. Et nous sommes arrivés juste le deuxième dimanche, il y a Kilte, il y a l'église, il y a l'extension à Kisangani. Okay. On a eu rejoindre le pasteur Philemon, qui est maintenant notre représentant légal de la communauté, pasteur Philemon Motamba Baletenya Bouta, et le docteur Mahindo, pour Bangonde Bayaka Pona pour Banda Moussala. Il pasteur responsable à Zonga na Bouta. C'était le pasteur Michel Omba. Okay. C'est lui-même qui m'a encadré jusqu'à ce que je devienne ministre. Ok. Donc vous êtes passé par le pasteur Michel Omba. Effectivement. Ok. Voilà. Je suis passé à ses pieds. Ça vous a fait combien de temps pour commander mon thé? Bon, Tokomi na Kisangani, effectivement. Dans le mois d'avril, j'ai presté comme officiant, donc on avait modérateur. Et le docteur Mahindo ainsi que le pasteur Michel Omba ont commencé à m'initier dans l'évangélisation de maison en maison. Tout ce qui est déboué, moi, m'a exhorté pendant 5 minutes et j'ai commencé à m'exercer. Mais précisément, le 31 décembre, la veillée, il y a Kokota en 2002. Toujours préparé, quelque. Je vois le docteur Mahindo qui vient me dire, non, frère Dieudonné, c'est toi qui dois exhorter aujourd'hui pendant la veillée. La veillée. Okay. Donc, pour moi, c'était une surprise. La tiki onion, c'est comme ça, il y a la Bible, il y a la Bible, il y a la Bible, qu'est-ce que... Et je me rappelle les thèmes, je garde juste aujourd'hui. Ouais. J'ai parlé de David dans la caverne d'Adoulam, fuyant Saül. Alors, j'ai prêché, c'est ainsi que tout est parti. On a doté à ma quête normale. Et enfin, en 2010, le 19 octobre, les maîtres d'association, donc le ministre de la communauté, m'ont accueilli dans le ministère et
voyant les dons qui se manifestaient en moi, ils m'ont confirmé comme ministre docteur de la parole. Ok. Si je comprends bien, vous avez passé 8 ans étant prédicateur. Et après 8 ans, ils ont découvert en vous le ministère doctoral. Effectivement. Et vous étiez consacré en 2010. Oui. Donc aujourd'hui, nous sommes à l'émission Oyo. Donc vous êtes dans la 13e année dans le ministère. Exact. Ok, félicitations. Merci. Docteur Abraham, au seul passage à Kinshasa, tu l'as dit, tu as dit la chaîne, tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu avant de continuer dans la profondeur, comment vous avez découvert Kinshasa, Oyo, Koutiba Masambo Nabino, il y a une extension, il y a une communauté Nabino. Comment vous avez trouvé déjà votre passage d'abord en tant qu'humain avant de continuer dans ma prédication? Bon, en tant qu'humain, passage dans la Kinshasa, il y a un passage pour moi, c'est une bénédiction. Ok. Vraiment, c'est une bénédiction. Je sais que autrefois, par deux fois, je suis déjà passé par Kinshasa, mais cette fois-ci, comme Nayaki, na moi dirais moi comme Laï, il y a un temps, il y a pour fin d'année bande de Konanga, il y a Kinshasa, parce qu'à Kinshasa nous avons déjà des ensembles à Lingwala ici où nous sommes et à Bandan. Alors, j'ai découvert les bien-aimés. Même les enfants de Dieu, je trouve que, en tout cas, Bandeko Badingi Nzambe, Bandeko Badingi Lobana Nzambe, en tout cas, celle et loco na monaki qui fallait tout c'est accent mouké, les amis sur la crainte de Dieu. Ok. Wanande, il faut tout marteler pour que Banana Nzambe somme ou Nzambe ou Isalaka l'église primitive wana. Donc, il faut tout zoomer ça y est. Parce que Kinshasa, la ville à Makelele, wana et aux appels à tendance à condistrer même les bananes en Zambie. Voilà, docteur Dieudonné, tant que vous êtes au Téhi, au Téhi na Bandal, au Téhi na Lingwala, et na Lingwala, na mon aux humains tant et belé, les Tobanda Kolanda, au Téhi qui sur la lèpre auprès du roi et auprès du prophète. Après, au Téhi, au Yesu, au Téhi, Awawa, les fêtes de l'Éternel, aussi l'ici, ma Téhi, Alélo. Tu as dit, pourquoi au Salaki choix, il y a un thème, wana, alors que tu as rappelé, ça, il y a un thème, il y a un thème, il y a église, il y a un thème, il y a un thème, pour qu'il y ait un thème, pour qu'il y ait une offrande, mais au Salaki, il y a un thème, il y a un thème, il y a conversion, il y a valeur, il y a un thème. N'avez-vous pas eu peur y a que y ait sous cambio y place au couti bah on s'est en tout cas ça c'est une très bonne question mais nous devons comprendre tout ce solana nous étinda ou tozoa est-ce que tozoa étinda y a que ton di sabato na kati na masambo ou bien tozoa de étinda y a que benga bato ba kota bokonzi na likolo. Ok. Pour na kumuto akota bokonzi na likolo, il faut kote ya mutu wana lisumu. Aiba ke lisumu nde kopekisa e kota bokonzi na likolo. Voilà pourquoi effectivement thème ya liboso il y a une lapsus étant aux jours le baptême thème précision est qui être auprès du prophète. Voilà. Donc ton lobela qui guérison ya Naman. Okay. Naman aza qui est général reconnu la Syrie. Mais malheureusement il était le prix. Mais à quoi est-ce qu'on soit en gros au travers, jeune fille est captive. Au besoin qui est la bitumba, tant que vous dites Israël, à ce moment-là, moi si on a, il est en moi si, à tirer à la servante, à moi si naï. Moi si on a des à quoi est-ce que sa maîtresse naï, a dit non. Ce qui connaît à la ca, peine à Mosakola, à la Samarie, car si Mosakola dit qu'il s'est la lèpre naï. Et effectivement, le prophète. Les gens qui ont coopéré, guérison miraculeuse, wana et pas Naman. Et c'est sur ça qu'on a parlé. Effectivement, ils ont un aspect, il y a péché des alliés en premier lieu, mais on a parlé un peu de tout. Mm. On a parlé un peu de tout parce que la lèpre, ça représente le péché. Mm. Effectivement, parce que c'est une maladie contagieuse, de même que le péché. Et ça, là, il y a une tendance à contaminer Baninga. Mais ça, il y a encore ça, le long de Bemoko. Nous avons placé l'importance à parler sur les péchés en Guana. Parce que si on a fait l'homme à Bemoko, et que vous battez, vous battez, parce que, et qu'on peut ça, on dirait que tendance est que vous pouvez au salaire.
Mais si on a une salle qui est reprochée, on a une mesure de discipline et qu'on a une salle. On a un apôtre qui dit que ce qui prêche reprend-le. On a un souka, pas mal à bango pour bango sous ma yoka, somme. Mais on a parlé aussi du ministère, effectivement. Ouais. Parce que tout le monde qui a été mis en temps, on a besoin d'intervenir pour obtenir des guérisons. Ils ont la jeune fille, ils ont dit les rois de Syrie, ils ont dit les rois d'Israël, ils ont dit le prophète Élisée, ainsi que les serviteurs qui ont accompagné Naaman. Cinq groupes, on a. Tu expliques par rapport à cinq dons ministériels, pasteur, docteur, apôtre, évangéliste et prophète. Tu expliques qui? Il y a une portion pour nous dire que nous avons un état de péché, un état de pureté pour hériter le royaume de Dieu. Ok, parlons des fêtes de l'Éternel. Les fêtes de l'Éternel n'est pas ce qu'il faut chiter pour avancer. Le fait de l'Éternel, les lots, de retenir. Pour la fête de l'Éternel, la conclusion, le roi a zoli ngolu yozana na kilt. La conclusion, na mono c'est marteler l'issue sous carali na péché, na kubanga nzambi. Parce que na ba fête de l'Éternel, j'avais compris que c'est l'amour de Dieu, na ba phrase na monyonso. Mais na sous kaboli nzambi, alors le big nzambi le la quatre fois. Mutuma ben na yemo ezo beta ya otala. Il se voit peut-être impuissant pour sauver sa propre créature. Vous voulez dire quoi par là? Oui, bien aimé. Effectivement, tu parles qui t'aime pour la personne qui. L'explication du plan du salut d'après les fêtes de l'Éternel. Donc, nous sommes en train de libérer Israël, la servitude en Égypte. Et ça qui est l'objectif, c'est qu'il ne va pas servir. Alors, na ko servir, il y a une instruction qui est. Tala, tant que vous êtes en train de faire des choses, vous êtes en train de faire des choses. Vous êtes en train de faire des choses, 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 vous êtes en train de célébrer la fête et l'honneur. Mbala misato wana, ils ont le premier mois, ils ont le troisième mois, et puis le septième mois. Et puis, la fête, ils ont énuméré au moins sept fêtes. Mais avant, à énumérer sept fêtes, ils ont rappelé le peuple les sabbats. Okay. Par rapport au plan du sali, tout le monde a que les sabbats, ils ont ramené la création. Okay. Et après les sabbats, vient automatiquement la fête à Pâques. Où ils ont dit le 14e jour du premier mois. Fête à Pâques, tu expliques qu'ils ont collé ça, la mort de Christ. Parce que c'est lui, l'agneau d'un an sans défaut, où il y a qui a couffé pour que Makila n'aille et servir la protection pour na banana Israël tant que l'ange destructeur a quitté à côté nanda qu'on a banana na Israël était pour na kuboma à côté t'es parce que nanda qu'on a banana Israël mais à côté t'es parce que amoni elembo ya makila sur les lentons et sur les débattants et on trouve que t'es coupé na Jésus Christ yangonde et y est pour na coupé sa mise au salut. Esaïe est d'accord avec moi avec que Azala qui frappait humilié et pourtant ce sont les péchés, nos péchés d'Amema qui envoie. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur nous. Donc il y a un dandiman qui peut frapper Bissot, tous à la sauver. Donc il y a un paquet et la qui s'est dit Bissot, pour faire Yesu. Et tout le monde qui fait la prémisse et la gerbe agitée et la qui s'est maintenant résurrection. Or, défaite, on a la mort et la résurrection de Jésus-Christ et pas la vie sur les croyants, tout ça pour accomplir en haut par l'eau du baptême. Okay. Parce que le baptême, il est toujours coup frappé, toujours c'est quoi, Jésus-Christ. Okay. Et tant que toujours c'est quoi, il faut ce qu'on a dit qu'à vie à Sika, où toujours il n'y a rien que le pain sans le vin. Okay. Fait, il y a pain sans le vin pendant une semaine, Israël, il va dire, ma poison du foule. Vous voyez, ma poison du foule, c'est ça la saine doctrine. Okay. L'enseignement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même, la pierre angulaire. Il y a un des qui ont Samanango pour le baptiser, baptiser puis enseigner. Puisque je vous ai prescrit. Voilà, enseignement, il y a qu'après le baptême. Et non, le lendemain, il faut qu'il y ait ordre sens, qu'il faut pas que moto avant de faire le baptême. Non, moto ce qu'il y a un à croire, à son engagement, par le baptême, après ce qu'on a enseigné, comment servir Dieu pour aller bien.
Donc c'est ça la fête des pains sans levain pendant un siècle. Okay. Et après vient la Pentecôte. La Pentecôte, ils ont dit fête et en moisson. Mm. Fête et en moisson. Et on dirait qu'ils lançaient les choses de la Pentecôte, le commencement de l'ère de l'Église. On dirait qu'on moissonnait bah âme pour la colo. Kola tindi biso mokili mobimba bato za sabato ba ekoli na ye bo ba konzimela pe ba kobati sama ba kobika bo ba koboya ba konzala fondani. J'ai pas de grandes lignes de manière ramassée et après tawana ekosuka na son ya trompette, fête des trompettes là qu'on intervenir, fête ya trompette déjà qu'on annonçait résurrection des morts, enlèvement de l'église. OK. Et après, fête à tromper, ils ont intervenu dans le septième mois. Parce que dans le premier mois, ils ont trois fêtes. Pâques, premier, c'est gerbe agité, na pain sans levain. Dans le troisième mois, parce que ils ont intervenu 50 jours, les 50e jour après la gerbe agité. Ils ont tombé dans le troisième mois, dans le calendrier d'Israël. Alors, ils ont fait Moko et à Pentecôte. Vous allez retrouver qu'il y a un acte d'épée. En fait, il y a un moment où on a célébré dans Jérusalem, Pierre Abima qui a été la prédication de 3000 âmes qui se convertissent. Depuis, il y a tant de l'église. Oui, tout le monde a parce que Evro Pierre Abandaka, il y a un moment où on a continué à faire ça. Et pour ce cas, dans l'église, il y a un enlevé. Dans le son de la trompette. La fête de la trompette. Et après quoi, okay. Il y a restauration à Israël. Parce que après trompette, fête à trompette, tout le monde a le dixième jour, le jour des expiations. Le jour des expiations, ils ont la question de la repentance à Israël. Donc Israël, il faut reconnaître le Messie na bango. Parce que le Messie souffrant va me connaître qui est. Il faut dire que le Messie glorieux. Alors, tant que le Messie glorieux à Koya, après la prédication des deux témoins, tout ça, Israël va reconnaître, tant que c'est mon Zacharie, a dit que Bako Lela, Nokola Matanga, Yamwana, Yadikinda. Donc c'est ça la repentance d'Israël. Et après quoi, vient maintenant la dernière fête qui est la fête des tabernacles. Ok, c'est bien qu'Israël va tikaba, abandonner Banda, pour nous avoir qui nous confondent, pour pendant 7 jours. Là, c'est déjà la restauration d'Israël. Ok, merci docteur Tozo Kende Nagoshite. Mais Mambo Lobi, je peux dire que Bato Baloba, que Bino Bato Bomibenga, la saine doctrine, Babouarabo Gaye. Parce que tant que Zolo Banet, tu fait un tabernacle, tu as fait un matin, tu as fait un tabernacle, church, tout le monde a fait un église, il y a un tabernacle, il y a un belé. Mais ce que le tabernacle, il y a déjà qui est ici là pour temple. Et n'est-ce pas bandeko balandaka libanda bango on dirait bozo chrétien rabaninga bozo déranger pe foya ba baninga musu ba sala nzamba alors que bino nyonso bolo bela Yesu. Non, first Steve. Omone makamuna nzambe eza makamba ko ya ko caresser mutute eza pe makamba ko agresser mutute eza makamba ko te ya la vérité. OK. Moi je prêche la vérité biblique parce que notre foi est fondée sur les textes sacrés contenus dans la Bible. C'est là où tu tiras un enseignement à la Bible. À propos de la fête, mon frère, la Bible est claire. Nelo, tu as la fête, mon côté, il y a bon Zambé. Au fait, il y a un Zambé. Oh, tout ça, là. La Bible est claire que nous sommes qui c'était ombre des choses à venir. Okay. La réalité est dans Christ. Moto a fondé binote, a condamné binote pour la fête, pour la nouvelle, pour la bioconcourse. Non. Donc il va faire un an sondé, tu expliques qui en gros est un bon mot. Réalité n'a pas de la kissi. Pas que gerbe agité, c'est le baptême au travers le baptême de. Au moins, nous avons célébré Pâques et nous avons géré la vie de la vie de Jésus-Christ. Nous avons marqué la Christ dans la vie. Mais il y a des choses qui sont bien. Les tabernacles d'abord. Les tabernacles, c'est quoi? Les tabernacles, c'est une tente. Ok. Bon, quand vous déjà construit un matériau, vous commis un tabernacle. Bon, c'est ton choix. Mais bibliquement, nous avons dit que le tabernacle est une tente. Et puis le roi Salomon, sur instruction de son père David,
abîma déjà l'étape et à tabernacle à côté l'étape et à temple. Je comprends. Biloko nyonso qui na katina tabernacle et kota maintenant na katina temple. Okay. Et vous avez remarqué que le temps nous manque. Vous avez remarqué que tant au long de tabernacle au temple, makambobe et belezo change. Même va insister si nombre ça augmenté. Parce que dans le temple que Salomon avait construit, il y avait les parvis des gentils ou des païens, des nations. Vous remarquez ça. Les lots, tous les matins, il y a tabernacle. Pour être clair. Mais quand vous êtes pour tous les gens qui sont souka, quand vous êtes tant que vous êtes là, vous êtes là, vous êtes là, vous êtes là, mais je vais cette question par rapport au pays à l'offrande, pour au thé à qui paye par rapport à l'offrande. Tu as aussi comme on a un spectacle, je dirais un peu désolant, sur les réseaux sociaux, un prophète a sauté à thé à qui accueilli. Tout le monde est dans le stade, tout ça, on ne dit pas qu'il y a quelqu'un qui a pêché, mais mon dimi a commenté, a ébissé, a offrande dans le bisseau, mon dimi a attaqué, prophète, prophète pas ébissé, ça a la sommation, il y a une offrande qui a été créée. Et si quoi est a créé, moi, polémique dans l'opinion, le roi est mieux que ici. Oui, oui, c'est ça. Na mondimi, na mosali nzambe, na ni penza sali mabe. Po mondimi a regretté que ba offrande na ye, mosali nzambe kei go sali lango staff. Mosali nzambe pa lobi sali lango sommation ya ba bonzanyo socha, na zongi selo ngo sikoyo. Staff c'est quoi? Do akei ko sala ambiance na mbongo o ya zongi ya offrande selon commentaire ya mondimi. Et mosali nzambe sengi asala sommation ba offrande nyo socha. Po ya zongi sela ici en place. Je dirais que ba ngo somme balé ba koyi. Et surtout, Moninga, Moussa et Nzambe, il y a un peu doublement. Parce que le lingue est mérité à double honneur. Tu as un double châtiment. Ok. Offrande, Banan Nzambe, d'abord, il y a un peu de sauté. Il y a Nzambe. Et Nzambe, à son tour, il y a un confié comme salaire. Ok. Il y a un toujours salaire. Et vous allez remarquer que à Zolobaké, vous allez manger ça dans un lieu sain. Okay. Instruction à Zopé, ça va l'éviter, va sacrificateur, et biloko, bananza, bon, mais melaye, pour na ya zoya pesi bango, bali à mon esika et sainte. Non. Tant au Moussa et l'ensemble, bon, bananza, va me mêler, ok, pour ça, la nango, ambiance et amokini. Tu es condamnable. Mais quand même au temps match de Juventus, si pour vous qui était le match. Ah bon. J'avais peut-être mal interprété. Pour bah regretter que ni mon ami soit que le match, au foot le billet tout ça. Bon côté le match, ça fait partie des divertissements. Ouais. De ce côté là vraiment, moi je reste ouvert. Ouais. Je reste ouvert parce que j'ai mes choix. Peut-être encore étalé en moi devant les médias, le sport, le choix. Parce que même les écritures, l'apôtre Paul en prêchant, il s'est référé au sportif. Ouais. À parler sur la balité, à parler sur l'athlète, mais à ceux qui voient, ils que l'exercice corporel est utile à peu de choses. Il faut tout accentuer sur les spirituels. Ok. Oui. Alors, j'avais peut-être compris que l'ambiance d'une manière mondaine. Alors, je condamne les serviteurs à propos à tenir à quoi ils s'amendent. Ah, ça y est, les sommations à Bafrance. Non. Il suffisait seulement à expliquer mon Zimiwana que le loisir est petit samité. Donc les gens, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais tout n'exécute pas. Ok? Donc, c'est un peu ça. Il fallait, au sein de Nzambe, expliquer à mon Dieu, dire qu'on a déjà 12 ans. Ok, dernière question pour citer dans cette émission. Au terme qui m'a baba fête de l'Éternel, ce que les lotos a clair pour na mon arabiso awa na Congo, baba fête à Pâques en avril,
Tout le monde en Congo va fêter la naissance de Jésus le 25 décembre. Tout le monde en Congo va fêter moi et Bélé. Il y a un mandala là. Bloco, tu sens ici penser à la religion. Les chrétiens sont en train de se faire peut-être moins différents. Mais les loyaux, au coup, ils sont fêter Nini. Oui, à propos de la fête, il y a beaucoup de sépins. Conformément à la saine doctrine, il y a la fête de mon côté, où ils ont établi une date de mon côté connue, où il faut l'église et la célébrer. Ok. Exemple de Tiraka et pas à Israël. 1 Corinthiens 10, verset 1er descendant. Que nous sommes comme là qui bango et qui pour qui servir biso comme exemple. Ok. Bangonde, Bazaki n'a pas fait. C'était sous la législation mosaïque. Maintenant là, nous sommes sous la grâce, okay, avec notre prophète puissant en parole et en œuvre, Jésus-Christ de Nazareth, Yehoshua Mashiach. A tiki la vie sur fait sur mon côté, auto-célébra quand même. Alors, il y a tout simplement que Bosa la kaboye pour la kokanisanga, kobo kalipa et comme la vigne. C'est ce que nous faisons dans nos cultes. Oyo kalilo bananzambe matea sous l'onction du Saint-Esprit. L'apôtre Paul a mis le point d'honneur en disant qu'il est condamné pour la fête, pour la répéter tout ça. Mais alors, il a dit que réjouissez-vous dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Frère Steve, Lélo, Namoussala Nayo, journaliste, aux yeux promotion quelconque, au niveau CPLA, pour la promotion. Bible, boy, si on a été dit, on a été dit, on a organisé une fête, mais seulement. Le Bible dit que pour le lévite, pour le sacrificateur. Donc, pour ça, la fête, il faut que tu aies un peu de temps. Pour que ce soit là, dans le Seigneur. Nous, les chrétiens, nous, les saints, nous, les enfants de Dieu, de la, confessant la sainte doctrine, tout fait à cannabis. Mais faites il y a bon zambé. Faites religieuses. Tout ça, en beauté. C'est que tu vas fêter Noël barana dibungi. Ah. Wana écoute na aspect doctrinal. Ah OK. Moi je parle de doctrine des saints. Ah OK. La saine doctrine. Donc batuana barana saine doctrine. Non. Oh le contraire à saine doctrine. Les doctrine à Nicolaïde, doctrine des démons. La réponse est full d'elle-même, non? Docteur Abraham, franchement, nous la sommes arrivés. Full d'elle-même. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Comment on va discerner la saine doctrine et la fausse doctrine? Oui, distinguer la saine doctrine et la fausse doctrine, il y a deux aspects. Okay. Il y a la forme et il y a le fond. Okay. Comprenez? C'est comme aussi pour la zone de quelque part de la zone bon de l'anzambe angenge la miso ya mité manabino. Ok. Le cœur a aussi des yeux. Pe afungo la mato inabino. C'est très important. Parce que miso et mona la forme.
matoi tango ezoyoka ezokota na fond. OK. Yango na forme okomona déjà que la sainte doctrine eza lo sambo oyo ba représentation eza la kate. OK. Ba croix, ba effigie, ba nyama, ba ndeke, tout ça, nzamba boya yango. OK. Dieu s'est montré au travers sa créature, mais atindi biso to adorer créature te, to adorer yi. OK. Parce que moi qui te parle, dans ma coutume, nous avons pour totem les lions. OK. Aujourd'hui, peut-être na ko zwa eloko moko ya coutume na biso, coutume zande de chef. Oui, non, non, non. Na ngona makam na nzambe. Oh, Jésus, les lions de la tribu de Juda. Nzambe ba lion na totem na bino. Mais nzambe ayi saki Moïse ni. Atoni avec tout na Israël. Moïse a tenu bango. Est-ce que tant nzambe kita na Sinaï? Bon, mon akini. Non. Nous avons tremblement de terre, des coups de tonnerre, des éclairs. Et nous avons entendu des voix. On a dit, ok. Nous quoi bon, mon akini est le côté. Je vous défends formellement. Nicolas, tant mon côté, ma tananité, ma nabino, bon, le cas. Pour représenter une image moko. Il y a Mobali, il y a Moissi, il y a Ndekazo pour moi du colo. Il y a nyamazo tamba makolomine, il y a nyamazo benda na libumu, il y a mbisi na kati na mai, jamais. OK. La forme pour nous aussi ça. La forme. Et na la forme aussi tango kati na kati na losambo, il y a l'habillement, l'accoutrement, manière de se comporter. Pour comprendre que oui, ça losambo na kolo parce que na losambo na kolo moi c'est devant le Seigneur, il faut azipa mutu. Azi pasu ki na epo su ke za gloire a moisi. Mais te va laisser une fois pour verra. Nous a déjà forme. Na fond maintenant, c'est là où intervient l'enseignement. OK. Nde na baki matoui. Parce que écriture mon na Job ezo baki le lenge le lemu. Et ba ko distinguer vous ya biloko ne lo a biloko esimbi mungu ate. A biloko elangai. A biloko eza bololo. Le lenge pe litoi. Et yebi ko distingue maloba. Il faut litoi na bana na nzambe fungwa mamalamu po baye ba ko discerner matéria. Ko yeba ke wena litéria ya batoma oyo déjà eza litéria en dehors ya doctrine. Société ba société belé boyokane sate tokoma na bafoyer na bafoyer nene mongo papa na mama dialogue sate eko malobi mwana bimi fase akiminda ku mwana komi na balabala mwana mola na wenze pour nini dialogue sate na bafoyer bomoni lelo mindele basangana ki basali ero mbongo komi makasi pona dialogue dialogue de sali dollar lelo e sala makasi. Dialogue des salis, les livres sterling et à la matasse. Il y a un moment où dialogue est nécessaire, na vie, na biso. Dans tout ça, dialogue est unitaire. Tcha tchiki tcha, Congo dialogue, Congo dialogue, Congo dialogue. Tous abonnés, vous soignez sur le Congo dialogue, c'est YouTube.